Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est encore chez Leclerc Saint-Brice et j'ai une super petite recette à partager avec vous, c'est très très simple, moi c'est simple, facile et rapide et pas cher. Vous allez voir, c'est des petits feuilletés express façon Francine. Alors vous êtes prêts? Intro! Alors pour ces délicieux feuilletiers gourmands, alors moi j'ai pris de la marque Repair Eco Plus pour montrer qu'on peut faire aussi des excellents feuilletés, hein, pas forcément cher et puis pas forcément de la marque. Donc là il faudra simplement 6 tranches de jambon, de la sauce tomate, du fromage à fines herbes, de l'emmental et puis simplement de la pâte feuilletée. C'est prêt? On y va. On prend une pâte feuilletée, on la coupe en 4. Jusqu'ici c'est simple. Donc je vais prendre la sauce tomate et je vais mettre ça dessus comme ça. Et là, à côté, je vais mettre l'ail et fines herbes. Alors, j'enlève la sauce tomate qui est tombée dessus. Voilà, ail et fines herbes. Alors, moi, j'ai pris simplement ça. Hein. Et là, on étale dessus. J'ai l'odeur, moi, j'aime bien. Qu'on soit bien au milieu, parce qu'on va rabattre après les côtés pour pouvoir fermer un petit peu le feuilletier, tout simplement. Hein. Parce que si on laisse comme ça, ça va déborder de partout. Donc, il va falloir le replier. Alors là, on va rajouter du jambon. Alors, on va le faire en petits morceaux. Alors, c'est vraiment des petits feuilletiers express. Il y a du monde qui vient chez vous. Vous faites ça. C'est d'une simplicité, même les enfants peuvent le faire. Aucun danger. On fait ça aussi sur la sauce tomate. Alors sur la sauce tomate, je vais mettre un petit peu de gruyère. Un petit peu de gruyère aussi avec l'ail et fines herbes. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du pliage. Victor, rapproche-toi. Là, j'ai fait un petit pliage, j'ai commencé. Alors regardez, vous prenez ça et puis vous pliez simplement comme ça. Allez, l'air bon. Simplement. Soit joli, joli, joli. Voilà, pour plier tout simplement les bords. Donc quand on va cuire, bah que ça ne va pas s'enfuir toute la garniture qu'il y a dedans. Voilà, on ferme bien ça, comme un petit sachet, simplement. Et je refais ça aux quatre autres. Comme des petits nids, simplement, comme ça dedans. On prend un petit blanc et du jaune et on badigeonne tout ça autour, comme ça, pour faire un petit peu de raie. Et là, ça part au four 200 degrés à peu près 15 minutes. Pareil, vous surveillez toujours votre four. C'est parti! 20 minutes later. Donc, elle est sortie du four. En tout cas, ça sort super bon. Il y a un monsieur à côté derrière qui attend d'ailleurs. Allez, goûtez, vous me direz. Je n'ai même pas goûté. Moi, je ne sais même pas quel goût ça a alors. Oui, c'est bon. Très bien. C'est croustillant. Non, mais c'est très bien. C'est frais. Soit qu'une petite salade. Super bon soir. Bonne découverte avec du samouraï. Oui, samouraï. Alors moi j'ai pris de la marque Eco. Hein. Voilà, comme quoi on peut faire des très bons plats avec la première marque. Quoi. Merci, au revoir. Elle est succulente, la pâte est très bonne, c'est merveilleux. Vous reviendrez? Oui, enfin nous on fait la route quand même. Hein. Ah, d'où alors? Armentières. Ah oui, moi, j'ai Lille. Aussi ça. Ah Lille, ah oui, d'accord. Vous êtes venu exprès pour moi? Oui, exactement. Oh ben dis donc. Ouais, on avait vu ça sur internet que vous étiez là, donc on a dit on va y aller. On a, et après, on repart tout de suite. En plus, faite avec de la pâte Leclerc Eco. Pâte pas chère. Donc très économique. C'est le monsieur qui parle, c'est pas moi, j'ai rien dit. C'est très bon. Maintenant, on va aller à la viande. Allez. Et après, si n'allez pas là-bas. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Continuez à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis. Actionnez la petite clochette en haut. Et je vous fais tous des gros bisous pour d'autres vidéos. Allez, bisous. Au revoir.